Salut tout le monde, c'est Romain Gendreau. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo Trix. C'est parti. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un Trix de base encore dans le stunt. C'est les burn. Déjà pour commencer, qu'est-ce que le burn à proprement dit ? Le principe du burn est de faire patiner ta roue arrière sur le sol pour créer de la fumée. Beaucoup de fumée. De la fumée. A vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur le burn. C'est juste de faire de la fumée avec sa roue arrière. Bien entendu, on peut faire des burns de différentes façons. Il y a différents tricks et levels pour faire des burns. Là, aujourd'hui, je vous apprends à déclencher le burn tout simplement. Par la suite, je vous apprendrai à faire des figures en burn. Comment faire des burns? C'est tout simple. Il va falloir exercer 4 actions, comme toujours. De toute façon, je crois qu'il y a toujours 4 actions quand tu veux faire quelque chose. Embrayage, gaz, frein, petit pompage de l'avant pour pas perdre l'avant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut pas perdre l'avant. Bon, première étape, je pense que tout le monde a compris. Il faut mettre son cul sur la moto. Sinon, bah, ça va pas marcher, on pourra pas faire de burn. Déjà, si t'es pas présent sur la moto, ça pourra pas marcher. Troisième étape, une main sur l'embrayage et on embraye. Comme on est embrayé, bah on peut mettre la première. Je vous conseille d'utiliser juste la première pour commencer et par la suite utiliser les autres rapports car c'est vraiment pas la même chose. Bien sûr, si tu utilises des rapports un peu plus élevés, ça va te permettre de faire beaucoup plus de fumée. Mais après, je vous expliquerai par la suite, si vous avez envie, comment passer les rapports en faisant des burns. Troisième étape, une main sur l'accélérateur et sur le frein avant. Très important, ne jamais lâcher le frein avant. Sinon, ça fait ça. Une chose qui va être très importante quand vous allez enclencher votre burn est de vraiment bien appuyer sur votre fourche pour que vous gagniez de l'adhérence au maximum quand vous allez déclencher votre burn. Car si vous n'avez pas forcément d'adhérence, vous allez déraper de l'avant et partir comme une cacahuète. C'est vraiment très important d'avoir le maximum d'adhérence sur l'avant. Donc surtout, on ne lâche pas le frein avant. Sinon, ça fait ça. Quand vous allez déclencher votre burn, il va falloir faire ces 4 actions simultanément, pratiquement. Pas forcément simultanément, mais presque. Donc quand tu déclenches ton burn, tu pompes sur ton avant, tu restes bien le frein avant bloqué. Tu lâches ton embrayage tout en mettant du gaz abondamment. N'hésitez pas. Et voilà, tu es en burn. Le burn n'est vraiment pas forcément une figure super compliquée. Il suffit juste de faire ces 4 actions simultanément ou presque et vous déclenchez un burn très facilement. Bien sûr, par la suite, je vous expliquerai comment avancer en burn et faire des figures en burn. Mais avant de commencer à vous expliquer comment faire des burns et des figures en burn ou du drift, parce que une prochaine vidéo arrivera avec du drift, je voulais vous expliquer comment déclencher le burn et surtout vous expliquer qu'il est très important de toujours avoir un maximum d'adhérence sur l'avant de la moto. C'est la chose la plus importante. T'as pas d'adhérence, tu glisses et tu te répares la gueule. Par terre ! Voilà Trix Burn, c'est fini. J'espère que vous aura plu, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Comme toujours, c'est pas forcément évident d'expliquer une chose. Après, le burn, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais ça peut être dangereux. Je donnerai pas d'exemple encore. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai le lien ici au niveau de la bande noire. A mon avis, je vais même le laisser tout le long de la vidéo, histoire qu'il se voit bien, qu'il se voit bien. Je suis beaucoup plus présent sur Instagram, tout simplement parce que je préfère. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, sur Twitter, à vrai dire sur tous les réseaux sociaux, je suis présent de partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou me laisser des commentaires juste ici. Aussi, n'hésitez pas à me dire quels tricks vous avez envie. Dans la mesure du possible, un trick de base. Je vais pas faire des tricks trop compliqués au début. On va monter crescendo petit à petit. Si je sais pas si tu as compris, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois. Sur ce, moi j'en ai marre de parler à cette putain de caméra. Je vais aller rouler. Ce que j'en ai besoin, c'est une putain de drogue de rouler. Je vous dis à la semaine prochaine. V comme ils disent tous. En bas de la vidéo, un pouce bleu en bas de la vidéo. Ah.